Réponse. Tu vas nous dire aussi de ta réflexion et tes sentiments sur le jour, la journée. Bah, j'étais très ému, quoi. Beaucoup d'émotions en traversant toute la ville comme ça, avec comme on se tient, quoi, vraiment, un vrai soutien. Et de... enfin, moi j'étais déjà très ému, j'étais venu ici il y a une semaine sur la place, il y a une banderole en français là-bas. Combien de temps allez-vous dormir? Qui dit ça? Alors aussi, quelque part, c'est aussi répondre à ça en français et dire qu'il y a quand même quelques Français qui pensent à vous beaucoup et qui trouvent que c'est injuste et qui ne comprennent pas encore. Parce que je pense que ce qu'on disait, c'est pas seulement... c'est vous, mais c'est le Portugal aussi, c'est l'Espagne. Enfin, et puis bien un jour, ce sera aussi nous qui... Nous aussi, on est endettés quelque part. Aussi. Et on essaie de réfléchir, on peut savoir... trouver un autre système, on avait l'idée de nationaliser toutes les banques, mais vraiment à l'échelle européenne, ça serait quelque chose de vraiment fantastique, quoi, de faire un contrat avec les banques et de dire ok, on ne spécule pas maintenant, et c'est vraiment, voilà, pas moi. Il faut les tenter. Il faut les, voilà, et c'est, des économistes étaient venus nous parler, parce que bon, voilà, rien ne fait venir, et voilà, ils expliquaient que l'idée, ce serait vraiment que tout le monde, dans tous les pays, fasse ça comme ça. Pas seulement, parce qu'en fait, le monde continue à tourner autour avec ce système-là, et l'idéal, ce serait que voilà, tout le monde s'accorde à une vraie banque mondiale, quoi. Pas mondiale, mais en tout cas, nationale, quoi. Okay. Merci beaucoup.